J'ai donc planté mes premiers arbres il y a 9 ans maintenant, en fait, hein, donc 2015-2016, en fait. La réflexion, c'était la qualité des eaux souterraines, la biodiversité et le bien-être animal. Hein, c'était surtout ça, les portes d'entrée. C'est lourd en coût, en temps de travail, mais par contre, s'installer pour 30-40 ans, il y aura de l'entretien, évidemment, mais s'installer pour très longtemps. Et c'est le gros intérêt, surtout en système élevage, c'est qu'en fait, la gestion du pâturage est vachement pratique après. Donc, on a fait un projet plus espacé avec une succession de haies brise-vent et d'agroforesterie. L'idée d'avoir et un effet parasol et un effet brise-vent. L'idée, c'est comme c'est des clôtures assez costauds, là il y a 80 mètres, et bah, on pourrait avoir des séries d'enrouleurs par parcelle. Le contexte géographique ici, donc c'est quand même une région qui est très séchante ici, normalement, ce qui n'est pas le cas depuis. Enfin bref, on est à 550 mm d'eau à peu près annuellement, donc région très sèche. Et pourtant, on veut faire des animaux à l'herbe. Donc on a tout ce contexte-là à gérer. Toutes nos terres sont labourables globalement. Hein. Ça veut dire qu'on peut avoir des prairies temporaires partout. Donc c'est intéressant dans un système comme le nôtre aussi, comme il fait sec. Une prairie permanente ne tient pas. Chez nous, elle est morte. Enfin, toutes les légumineuses, les trèfles disparaissent tout doucement, donc ça meurt. Donc ça nous permet de réintroduire des trèfles un peu plus vigoureux, comme des trèfles blancs aussi, mais surtout des violets, et aussi des luzernes. Donc ça, c'est important, parce qu'on est autonome en protéines. On n'achète pas, en parler tout à l'heure dans les enjeux, on n'achète jamais de tourteaux, nous, en fait. Hein. On est autonome, on est producteur de protéines, en fait, sur la ferme. Hein. Donc. Et donc, je n'ai pas parlé des animaux juste avant quand même. Aujourd'hui, sur la ferme, il y a un troupeau de vaches allaitantes d'une 20-22 vaches. Race Angus qui a été absorbée à partir d'un troupeau laitier dans lequel j'étais avec ma sœur il y a une dizaine d'années. Et à côté de ça, donc Hugo, qui est à côté de moi, mon fils et sa compagne Mégane, se sont installés il y a 3 ans maintenant, en 4 ans. Oui, donc 3 ans de production fromagère, mais 4 ans, effectivement, il y a 4 ans. En créant un atelier de brebis laitières avec transformation. Donc tout transformé, voilà. Et l'objectif, effectivement, à ce moment-là, c'était d'aller vendre, récupérer la plus-value pour vendre directement, quoi, en fait. Hein. Donc, contexte climatique, donc ça, plateau serralier ici, on verra la plaine tout à l'heure, hein, effectivement, qu'on est en train de détruire en plantant des arbres. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, zone à enjeu haut ici. Vous savez peut-être, pour ceux qui sont agriculteurs, qu'il y a eu des zones qu'on appelait les zones vulnérables qui ont été créées par l'Europe en 1992. Ici, cette région-là, dès 92, on était dedans, en fait. On était déjà dans ces enjeux de qualité d'eau. Aujourd'hui, on est toujours dans ces mêmes enjeux de qualité d'eau et on a toujours la même qualité d'eau aussi depuis 92. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas Ça sent beaucoup. bien, même. On ne peut pas dire qu'on s'est amélioré, si vous voulez. Alors l'enjeu, c'était surtout à l'époque les nitrates. Hein. Et puis un peu nous ici, la turbidité, parce qu'on a un sous-sol karstique ici. Ça veut dire que c'est comme Étretat, pour schématiser. C'est-à-dire qu'on a des failles dans le sol. Toutes les eaux de pluie peuvent partir très rapidement à la nappe phréatique ou pas, hein, parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas de failles, évidemment. Ça veut dire que tous les polluants agricoles, engrais, enfin les polluants entre guillemets, parce que je vais me faire tuer par les collègues, tout ce qui est engrais ou pesticides peut partir très rapidement à la nappe phréatique. Et d'autant plus qu'ici, alors localement on n'a pas ça, mais il y a eu quand même des gens qui ont drainé ici à une époque. Et la solution, le drainage, on balançait ça, il y avait des failles, ça partait très bien. Et on a aussi juste à côté de chez nous une ancienne piste pendant la guerre allemande, donc c'était une piste des avions. Il y a des fossés qui ont été créés, les fossés viennent par ici, on ne sait plus du tout où va l'eau en fait. Les fossés, on connaît en surface, après on ne sait plus trop où ça va. Voilà. Et donc, zone céréalière, ça veut dire qu'ici, on a, grosso modo, il y a 50% de la superficie des agriculteurs en blé. Puis après, on va avoir du colza, de l'orge, du lin. Il n'y a pas de culture industrielle type betterave parce qu'on n'a pas des terres, on a du caillou, on a des terres hétérogènes ici, en fait. Hein, donc, c'est difficile. Donc, voilà pour le contexte, à peu près. Sur la ferme, aujourd'hui, il y a Hugo et Mégane qui sont associés en GAEC. Ils ont un salarié que vous avez peut-être vu tout à l'heure, donc depuis 1 an, et ils vont embaucher leur apprenti à temps plein à partir du printemps. À mi-temps plutôt, à À partir du temps plein, printemps. on aurait aimé. Ce qui fait que ma femme, que vous avez vu tout à l'heure, et moi, on est aussi aides familiaux, donc on est là aussi pour aider. On peut considérer qu'on est 4 actifs et demi sur la ferme à peu près.
Oui, en réel, en travail réel, oui. Voilà, voilà. Bon, c'est bon. Voilà. Donc, ça, voilà. Donc, aujourd'hui, vous l'avez entendu, on est en bio. Moi, avant, je n'étais pas en bio. J'étais ce qu'on appelle en agriculture intégrée. De toute façon, j'ai toujours une démarche dans ma carrière de réduction d'utilisation de phytosanitaires et d'engrais. Donc, l'intégrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de traiter, je mets en place des pratiques pour éviter de traiter. Et j'utilise en dernier recours. Ce qui fait qu'effectivement, moi, en fin de carrière, ici, j'étais à peu près une réduction de 80% d'utilisation de pesticides par rapport à la moyenne régionale. Bon, dans un système polyculture, il ne faut pas l'oublier. Ah, polyculture-élevage, effectivement. Ouais. Alors, par rapport à ça, ce qui est aussi intéressant, les taux de matière organique ici, nous, on a un système, effectivement, on a entre 3 et 3,5 de matière organique, de système polyculture-élevage, on le ramène, nos pailles sont restituées, on a des fumiers, etc. Et voilà, donc des choses comme ça. Donc voilà, c'est des terres en potentiel moyen, on va dire. Moyen bon, ça dépend. Ça dépend où on se situe. Mauvais pour la Normandie, un peu au-dessus de la moyenne pour la moyenne française. Donc dans ce contexte-là, effectivement, moi, ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années, je ne pensais pas à agroforesterie, j'étais dans un groupe, quand on parlait des groupes tout à l'heure, c'est aussi très important, effectivement. J'étais dans un groupe où j'ai un collègue qui s'est mis à planter il y a 12 ans maintenant, je crois, 12 ou 13 ans, qui effectivement nous a amené à réfléchir effectivement à ça, et tout doucement, voilà. Et donc moi, j'ai donc planté mes premiers arbres il y a 9 ans maintenant, en fait, hein, donc 2015-2016, en fait. Hein. Donc j'ai planté ça. Et effectivement, la porte d'entrée à cette époque-là, c'était peut-être un peu lié aux aides aussi en même temps qui m'y ont aidé, mais quand même c'était la réflexion, c'était la qualité des eaux souterraines, la biodiversité et le bien-être animal. Hein. C'était surtout ça les portes d'entrée. Sachant qu'en même temps, on accueille du public, hein, on est ferme pédagogique, vous l'avez constaté. C'était aussi une porte d'entrée par rapport... Moi, on a toujours eu ce grand discours-là. Dans le grand discours, on est là pour faire des citoyens consommateurs. Donc, c'est un grand mot peut-être, hein, mais bon, on a utilisé des grands mots ici. On est là aussi pour expliquer, en tant qu'agriculteur, comment on produit les différentes chaînes de valeur qu'il y a dans l'agriculture, un certain nombre de choses comme ça. Et donc, c'était dans ces réflexions-là. Et donc là, dans la réflexion du système, il y a un moment... Alors moi aussi, je parle tout le temps de système agricole, c'est-à-dire que je ne raisonne jamais sur une marge blé, même si on connaît nos marges blé, nos marges aussi, cela, on raisonne tout le temps en termes de système, parce qu'on peut très bien avoir une culture qui n'est pas rentable, mais qui apporte beaucoup au système. Hein. Donc voilà, donc ça, moi j'ai toujours raisonné comme ça. Et donc on a mis, moi, la réflexion donc sur les arbres, et puis en 2015, on a fait un premier essai, on a planté 150 arbres. Je voulais sentir un tout petit peu le temps de travail pour planter. Et d'autant plus quand on est dans le système élevage. Et j'ai eu raison de faire que ça. La première année, on n'était pas prêt à mettre nos animaux dedans. Et j'ai eu des dégâts d'animaux, non pas par le gibier sauvage, mais par les animaux d'élevage, des arbres mal protégés, en fait. Hein. Voilà. Donc c'était ça. Donc c'est bien de sentir la chose. Puis après, l'année suivante, on en a replanté. Donc, enfin, on arrivait à 17 hectares l'année suivante au total. Donc voilà. Et donc à l'époque, la réflexion, c'était effectivement... Je suis dans un système de rotation avec des céréales, des cultures, avec de la chimie. Donc, il fallait que le tonneau puisse passer, traiter. Donc, nous, on a choisi des bandes d'arbres tous les 26 mètres, en fait. Hein. Donc, 2 mètres d'herbe et puis le restant. Orienté, dans la majorité des cas, dans un axe nord-sud, hein, pour que le soleil rentre de chaque côté. Même si on a fait une exception à certains endroits par rapport à la qualité, l'hétérogénéité de la terre et puis l'organisation du travail. Enfin, vous verrez sur le terrain pour que ça fasse un tonnoir, c'est pratique pour nous, en fait. Et puis, il y a aussi, vous verrez, il y a la route. Enfin, bref, il y a des choses comme ça. Donc, voilà pour le premier projet. Donc, c'est vraiment des arbres qu'on taille tous les ans. C'est vraiment l'objectif de faire, quand on parlait de haies tout à l'heure et tout, nous, c'était vraiment l'objectif de faire une bille, sachant qu'à terme, c'est ça qui fera la valeur de l'arbre. Enfin, si on parle que de l'arbre économiquement, il y aura la bille. Donc, on cherche à faire une bille. On taille les arbres tous les ans pour faire une belle bille, quoi. Et donc pas d'espace, alors rien entre deux. Alors ça, c'était aussi lié au système d'aide et tout de l'époque. Donc nous, sur ce premier projet, on est 80% d'aide de l'agence de l'eau. Alors, on n'a rien planté entre deux parce que ça nous était interdit par le cahier des charges de l'aide, en fait. Donc on n'aurait pas pu mettre de petits fruits, n'importe quoi. Donc pendant 5 ans, il y avait interdiction de faire quoi que ce soit. Et alors pour ceux qui ne savent pas aussi, hein, c'est quand on plante un arbre,
les 2 mètres qui sont enherbés pour planter là, c'est considéré comme étant la même culture qu'à côté. Si c'est du blé, cette bande-là, c'est du blé par rapport à déclaration PAC, en fait. Hein. Donc c'est du blé, etc. Donc voilà. Donc c'était ça. Et donc vous verrez sur le terrain tout à l'heure, on a donc mis des protections clôtures sur les côtés. Vous avez vu tout à l'heure le coût que j'ai annoncé. C'est lourd en coût, en temps de travail. Mais par contre, s'installer pour 30-40 ans, il y aura de l'entretien évidemment, mais s'installer pour très longtemps. Et c'est le gros intérêt, surtout en système élevage, c'est qu'en fait, la gestion du pâturage est vachement pratique après. C'est-à-dire qu'on a des fils qui sont installés tout le temps. On peut mettre des fils intermédiaires qu'on déplace facilement, où on fait des paddocks. Et c'est une gestion qui est très pratique après. Vous verrez tout à l'heure le premier bloc qu'on a vu sur les premiers 17 hectares. Si je te l'ai dit, je crois, dedans, ça représente quand même 2 mois de travail, implantation des arbres, protection à une personne, l'équivalent, quoi, en fait, hein, 2 ans. Donc, il ne faut pas le négliger, il ne faut jamais oublier ça. Je dis bien en système élevage, encore une fois. Clôture. À cause de la clôture, effectivement. Il faut au moins la moitié, je pense, dans le bilan. Ah non, le temps de travail, c'est énorme. Voilà, bon. Alors, comme inconvénient, malgré tout, comme système, ça, donc, ce sont des clôtures fixes. Vous le verrez tout à l'heure. Surtout que maintenant, on a des brebis, on a été obligé de rebaisser les fils plus bas. On a malgré tout un problème. Alors, autant la bande enherbée, on la laisse se développer toute seule. C'est de l'herbe, globalement. On a quand même un problème d'entretien de l'herbe sous les clôtures. On est obligé d'entretenir, on a trop de pertes de courant. Donc là, effectivement, depuis un an, on a investi dans un broyeur sous clôture, en fait, hein, pour pouvoir dégager, faire des choses comme ça. Parce qu'on ne peut pas se permettre, enfin, on est obligé de faire ça. C'est ça au manuel. Hein. C'est le problème que tout le monde a avec des clôtures fixes, même sans arbres, de toute façon. Ça détourne le pied du poteau ou pas? Non, pas, ça le contourne. En fait, tu arrives là, ça fait ça. Mais c'est suffisant pour les clôtures. C'est comme les tondeuses à pommiers. Ouais. Ça tape sur pas le truc que tu vois. Ouais. Piqué, ouais. Mais... ouais. C'est ça. Ou sinon, on fait du manuel au rotophile. Alors ça, c'est pareil. Alors, moi, je le dis aussi souvent. Moi, j'en ai fait beaucoup avant qu'on ait ce truc-là. Le rotophile, c'est chiant quand on en fait tous les jours pendant une semaine. Mais moi, quand j'y allais, j'en faisais un coup de temps en temps et tout. Moi, je suis désolé, ça me posait pas de problème. Parce qu'on fait régulièrement. Ça me posait pas de problème. Donc, je n'étais pas... Donc, voilà. Oui, alors, sur le premier projet d'il y a 8 ou 9 ans, donc ça nous a coûté à peu près 35 euros par arbre planté en intégrant le coût de la clôture. Alors, je parle bien des fournitures. Hein. Donc, c'est là-dessus qu'on a 80% d'aide. Tout le travail agricole de moi, agriculteur, ou mon tracteur, quand je l'utilisais pour préparer, pour planter, etc., c'est gratuit. Ça ne rentre pas dans le coût du projet, véritablement, en fait. Hein. C'est nous, quoi. En fait, c'est du bénévolat. Alors ça, c'est pareil. Moi, philosophiquement, il y a des gens qui disent que ce n'est pas normal. Moi, je l'accepte de travailler, entre guillemets, gratuitement. Enfin, ça ne me perturbe pas. Bon, par contre, c'est important, effectivement, d'avoir des aides. Ce genre de projet, moi, j'ai toujours dit, vous voyez le coût, hein, multiplié par 500, un peu plus de 500 arbres, à 35 euros de l'arbre, sans aide, on aurait du mal. Enfin, moi, je ne crois pas que j'y serais allé au début, en tout cas. Je sais ça pas, faisait 18 000 euros à la fin, je crois. Oui, c'est ça, enfin, une vingtaine de 1 000 euros. Enfin, donc ça, c'est effectivement. Donc, ça, c'est important. Voilà. Il y a aussi on parle des coûts, mais j'en profite, mais on va sûrement en revenir dessus. Il y a le facteur temps qui est hyper important à prendre en compte pour la réussite des projets. Je sais bien de planter, mais les 2-3 premières années, c'est là où tout joue en mortalité d'arbres, en tout ça. C'est là où il y a le plus de risques que les animaux les abîment au passage s'ils cassent une clôture. Donc ça, c'est pas négligeable psychologiquement et économiquement derrière, parce que le temps, c'est l'argent, même si j'aime pas dire ça. Mais voilà, c'est des fois, on n'a pas le temps et mais il faut quand même l'avoir ce temps-là, parce que sinon, le projet, c'est un échec. Quoi. Voilà. Et par rapport à l'implantation, vu que tu en es tout de suite, là, moi, le premier projet, j'ai voulu récupérer du plastique d'ensilage pour faire du paillage. C'est une très grave erreur en système élevage, parce qu'en fait, j'ai utilisé du plastique, c'est un autre débat, mais j'ai utilisé des agrafes métalliques. Et il y a des animaux à côté. Les animaux m'ont attrapé le plastique, m'ont arraché des agrafes. Et ne jamais faire ça, enfin, c'est une expérience. La réussite de la plantation était très bonne avec le plastique, c'est pas le débat, mais surtout ne jamais utiliser ça. Et de toute façon, aujourd'hui, et nous, on le constate, de la paille. On est agriculteur, on a de la paille, du paillage paille. C'est ce qui coûte le moins cher. C'est pas si lourd que ça à mettre en place. Et puis, c'est le fait qu'il y ait des agrafes et du coup, ça ferrait les animaux. Alors, ils n'ont pas ferré, sauf qu'ils m'ont arraché du plastique qui s'est envolé dans la nature, parce qu'ils sont allés sous les fils. Et puis, il y a des agrafes qui ont été arrachées en même temps, donc il a fallu que je les récupère, ou pas d'ailleurs. Parce que a priori, il n'y a pas d'animal ferré. N'empêche que c'est des agrafes, quoi, quand même. Donc,
Et puis nous, on le constate avec les collègues qui plantent là sur le secteur. Le moins cher, c'est la paille. Après, si on a du BRF, hein, du bois broyé, on peut en mettre aussi. C'est la même efficacité en termes de reprise. Hein. Après, effectivement, il y a les autres qui comptent de l'efficacité, mais qui coûtent quoi en fait. C'est en fonction de la ressource. Et puis la paille, il y a quand même un facteur paillage humidité en cas de sec qui est quand même hyper intéressant. Ah oui, ça aussi. Ah bah, cette année, par rapport à du plastique. Ouais. Qui fait juste un peu effet serre, mais l'arbre, il s'en fiche, je pense, sur un si petit bout de plastique. Mais la paille, là, cette année, on l'a vu, après, ça a été le déluge, donc on a oublié. Mais on s'inquiétait, on se posait la question d'irriguer les arbres qu'on vient de replanter cette année, au moins pour les aider à partir, et pour pas qu'ils crèvent aussi, c'était surtout ça. Parce qu'au début, ils n'ont pas le racinaire. Et en fait, la paille, elle a maintenu l'humidité très longtemps, alors que c'était cramé, même dans les cultures à côté, le sol était déjà sec, quoi. Et pas du blé haut comme ça, hein, même des triticales, c'était sec au sol. Donc ça, je pense que ça a joué aussi sur la... Ouais. Enfin, on le verra cette année sur le skirpar, mais... Mmh. Voilà. Non, présente ton projet, et puis après, on va y aller. Le nouveau projet. Quelle a été ta démarche, ta réflexion et tout, enfin, voilà. Nous, on est parti parce que c'est moi qui taille les arbres depuis la plantation, à peu près. Ouais. C'était mon projet de retraite, mais en fait, c'est Hugo qui les taille. Ouais. Juste un petit clin d'œil sur la retraite, sur la taille. Moi, je pense que c'est important. Quand on en discutait tous les deux, on n'est jamais d'accord quand on se met face à un arbre. Hein, quand on est tailleur. Quand on prend un arbre, souvent, on dit « toi, tu ferais ça, l'autre, tu ferais comme toi ». Donc, c'est pas qu'on n'était pas d'accord, on se comprenait. Mais il y a des choix à faire sur un arbre. Et on peut en discuter longtemps pour quand on taille. Donc moi, j'ai dit, tu fais, de toute façon, ça sera bien. Puis en plus, tu vas apprendre si les erreurs, tu vas les gérer et tout. Et je pense que c'est plus simple. Quoi. Oui, et puis il n'y a pas d'erreur de taille. Il y a des règles à respecter, mais en fait, il y a toutes les contre-règles parce que le robinier ne se comporte pas de la même façon, etc. Donc on s'adapte aussi à ça. Sinon, vous avez vu les essences en parlant de ça tout à l'heure? Vous ne vous rappelez pas? Alors, sur le premier projet, c'est de... Donc, il y a du robinier, justement, il y a du noyer. Alors, c'est que des essences forestières, hein, déjà. Faux acacia. Mmh. Que des essences forestières. Donc, robinier, j'ai dit noyer, cormier, alisier. Pommier poirier sauvage, et j'en ai oublié. Tilleul. Donc, ça, c'était le premier projet. Nous, du coup, la parcelle qui est en face, ça fait 28 hectares. Elle est en plein dans la plaine. C'est l'open field. Il y a le fond de vallon de l'Orne et le labo en face. C'est caricatural, mais c'est un peu ça. Et donc, on a des problématiques de vent. Pour les animaux, ça se voit tout de suite. Je pense qu'il y a aussi un impact sur les cultures. Voilà. Donc, on a fait un projet plus espacé avec une succession de haies brise-vent et d'agroforesterie. L'idée d'avoir et un effet parasol et un effet brise-vent quoi, dans la démarche. Voilà. C'est des bandes plus espacées. Pourquoi ? C'est parce que au début, on s'est dit bah c'est quand même lourd un projet à tous les 24 mètres en entretien, en clôture, etc. On s'est dit il faut peut-être mieux replanter toute la ferme et après redensifier si on veut. Plutôt que de faire que des petits projets et puis mettre 20 ans à replanter quoi. Donc on est parti de ça et avec le recul aussi c'est aussi spécifier des zones peut-être à terme de la ferme en fonction du réchauffement climatique etc. Parce qu'on sait qu'on décale des pousses d'herbes au printemps donc on pourrait avoir peut-être des prairies plus serrées qui soient plus fraîches mais du coup avec des retards de pousses sur de l'herbe pour du pâturage hein, j'entends. Et avoir des systèmes plus ouverts pour favoriser des pousses de printemps, pour faire des stocks au printemps. Quoi. Qui réchaufferont plus vite, en fait. Hein. Parce que l'arbre, il a l'avantage de tamponner autant les excès que dans le sens que dans l'autre, en fait. Voilà, donc ça, c'est ce qui est à peu près démontré au niveau des travaux de recherche, qu'il y a quand même un retard de sécheresse, mais il y a aussi des fois un retard de pousses. Parce qu'il y a moins d'exposition, surtout qu'on est aussi avec beaucoup de légumineuses, donc elles réagissent quand même beaucoup au soleil. Donc, à terme, c'est peut-être une problématique qu'on aura. Donc, on est parti de ça. On n'est plus parti sur une largeur d'outils. On est parti sur une moyenne de 3 hectares, à peu près, pour faire des îlots. C'est aussi des îlots de travail, entre guillemets. Nous, on sait qu'on est capable de traiter...
En fauche de printemps, 6 hectares à peu près. Tout, si je suis tout seul demain, j'ai plus mon retraité pour m'aider. Que Nicolas est en train de faire autre chose, notre salarié qui est de second chauffeur aussi. Mégane ne peut pas être partout. Et bah, moi tout seul, je suis capable de traiter 6 hectares avec le matériel qu'on a. En fauche et en semi, c'est plutôt la moitié, mais tout seul. Mais voilà. C'était un peu très théorique. Ça sera sûrement peut-être remis en question, mais comme le matériel a plutôt tendance à réduire chez nous que grossir, pour l'instant ça correspond. Voilà. Et donc, projet, qui dit projet brise-vent avec une logique élevage, on est parti aussi, toujours une logique bois d'œuvre en partie, parce que je suis attaché à la taille, c'est des arbres que j'aime bien moi travailler, une logique aussi économique à terme, de se dire il y a une partie d'arbres avec de la valeur économique. Et aussi arbres fourragés. Donc toutes les essences plantées, c'est des arbres potentiellement comestibles par les animaux. Est-ce qu'on va les pâturer? Est-ce qu'on va les tailler, les faire, les mettre à disposition? Bah, ce sera l'expérimentation dans 15 ans. Bah, de toute façon, les haies qui font 6 mètres de haut, elles n'iront pas pâturer jusqu'à 6 mètres, donc ça sera réglé. Les essences que tu as dit. Et voilà, et du coup on est reparti globalement sur les mêmes essences en enlevant tout ce qui était pas très intéressant en fourrage. Donc on a enlevé pommier poirier, on a enlevé merisier et le noyer. Et on a rajouté de l'orme hybride, du frêne, on est joueur. On n'en a mis qu'un septième. Alors, voilà. Alors, par contre, quand même, ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous aurez des expériences locales. Que tu veux en dire après, si vous tu sais où tu veux en venir. Je dis pas. Je connais, vas-y. Par cœur. j'ai dit frêne, orme hybride. On avait un tilleul petite feuille de souvenir. Oui, c'est le petite feuille qu'on avait. On a remis du grande feuille. C'est un arbre très intéressant et l'idée, c'était juste de voir s'il y en avait un plus intéressant que l'autre. Peut-être que les deux sont aussi intéressants. Voilà, ils sont assez proches, hein. À part la taille de la feuille. Qu'est-ce qu'on a rajouté d'autre? Et on n'a pas rajouté autre chose. On a gardé robinier faux acacia en bois d'œuvre. Robinier faux acacia, cormier, alisier. Et c'est les trois qu'on a gardés. En fait, grosso modo, sur la ligne d'arbres, c'est des lignes, les arbres sont plantés tous les 9, sous les 8 ou 9 8 mètres, ou 9 ça, 9 dépend, mètres ouais, ça dépend. Un arbre sur deux, pour être conduit en tétard, il faudra... Oui, c'est ça. Alors moi, après, sur le plan, je me suis arrangé à ce qu'il y a des arbres qui peuvent faire les deux. Le robinier, il ne fera jamais un tétard, sinon il va le rajeunir dans tous les sens et c'est comme ça qu'il va devenir invasif. Voilà, bon, même si c'est des sols travaillés, donc on peut encore gérer, mais on n'a pas envie de jouer à ça, ça va être casse-pied. Et donc on s'est arrangé à avoir la succession, c'est qu'il y ait toujours un arbre qui ne puisse pas être un tétard, qui reste toujours un parasol, et un arbre qui puisse être fait en trogne. Enfin, en tétard, en trogne, je ne sais pas c'est si pareil, tout le monde c'est le pareil, fait. C'est pareil. Ça dépend juste des régions. Voilà, dans l'idée de toujours, comme nous, on change tous les 2, 3, 4 jours maximum de parcelles, bah, faut toujours qu'il y ait un point d'ombre. Et dans le bourrage de la haie, on a mis érable, charmille, et érable champêtre, charmille et noisetier. Que pareil, potentiellement, a priori, dans les comestibles. Pour l'instant, en tout cas, c'est des arbres qu'ils attaquent quand on... Non, on a des sols trop drainants, trop... Ouais. En fait, par rapport à ce que disait mon père, on a des sols, en fait, on a des potentiels de rendement qui sont au-dessus de la moyenne française, plutôt en culture d'hiver. Parce qu'en fait, là, c'est comme une bonne part de l'Eure-et-Loire, c'est en pluviométrie annuelle, globalement, en France, on fait partie des régions, pas la Normandie, mais les régions où il y a moins de pluviométrie annuelle. Mais la profondeur du sol, même si on se plaint par rapport au Neubourg, la profondeur de sol en moyenne suffit à avoir la réserve utile pour compenser par rapport au Larzac ou enfin, pour faire les clichés. Mais voilà. C'est pour ça qu'en culture d'hiver, elles arrivent quand même à avoir suffisamment d'eau globalement pour l'instant pour faire le cycle. C'est plus les cultures de printemps où là ça commence à peiner. Donc le sol n'est pas du tout adapté dans les études de sol chez nous. Et par rapport à ça, si c'est un peu lié au sec aussi, toutes nos lignes d'arbres sont cernées aussi. Ça veut dire qu'on va passer un coup de sous-solage, normalement à peu près tous les 2 ans. En bordure des lignes d'arbres pour obliger l'arbre à descendre plus profondément. Nous, on a beaucoup de prairies. Si on n'avait que du blé, des céréales d'hiver, ce ne serait pas très grave, parce que céréales d'hiver, le blé, il a fini sa croissance au mois de mai, à une période où l'arbre a besoin d'eau. Nous, on a un système prairie,
Il rentre en concurrence au mois de juin, juillet, août sur l'eau. Donc effectivement, là, on a décidé, on passe carrément un coup de souceleuse pour supprimer les éventuelles racines qui seraient à moins de 30-40 cm de, qui viennent nous concurrencer la prairie. Et par rapport à ça aussi, quand je parlais aussi des prairies temporaires, on sait bien qu'en système agroforestier, nous, notre base, l'engrais azoté, c'est la légumineuse. On n'a rien d'autre. Hein. On a un peu de fumier, mais bon, c'est pas. C'est la légumineuse. Et on sait qu'en système agroforestier, le trèfle, il va disparaître hein, à cause de l'ombre, etc., etc., au pied des arbres. La seule façon d'entretenir notre système, c'est, c'est ressemer d'une légumineuse ou en sursemis ou dans des prairies nouvelles, quoi, en fait. Donc, c'est aussi pour ça que c'est... On reste en prairie temporaire pour vraiment relancer le cycle en permanence. Quoi, en fait. Oui, puis on est sur des potentiels de rendement. J'étais chez des collègues la semaine dernière au nord du département qui ont 250 mm de plus. Et en fait, leurs prairies permanentes produisent la moyenne qu'on fait nous avec des luzernes, des prairies temporaires en chargement. Je vais comparer au chargement. Donc voilà, ça résume un peu le. Bon, ils sont dans des coins très favorables. Hein, voilà, parce que nous, les prairies permanentes, plus ça avance, plus elles arrivent à 3-4 tonnes de matière sèche. Alors que sur les prairies temporaires, on va arriver à 6-7 tonnes en moyenne, et 6 tonnes 5 plutôt, 6 tonnes. Et les luzernes, bah, en fonction des années, on fait de 8 à 10 tonnes. Comme on pâture les luzernes, bah, les 500 kilos, une tonne que la plupart démarrent pas le tracteur pour récupérer, bah, on arrive encore à gratter. Donc on arrive à c'est des cultures hyper intéressantes à optimiser. En pâturage, même s'il y a plein de gens que ça perturbe qu'on pâture des luzernes. Mais... Donc on arrive à faire des rendements quand même de par le système pâturant et opportuniste. Assez intéressant, beaucoup plus intéressant que des prairies permanentes. Sachant qu'en plus, c'est aussi dire bah maintenant, on fait un lait d'été, donc on se tire une balle dans le pied. Mais c'est mieux pour les consommateurs, ça correspond plus au marché, en tout cas au marché de plein air. Et où je voulais en venir. Oui, ce qui se passe, c'est que nous, si on était sur un système prairie permanente comme d'autres collègues, et bah, en fait, on aurait deux hivers. Parce que au mois de mai-juin, on aurait déjà, ce serait déjà un paillasson en moyenne dans les années. Cette année, c'est autre chose. Et la luzerne nous permet de prendre le relais. Et des fois, on a réussi à faire la boucle quasiment jusqu'au mois de septembre, jusqu'aux orages qui refont un peu de pousse. Et ce qui fait qu'on a un système qui consomme peu de... Ouais. Puis le tracteur démarre peu pour, pour alimenter. Ouais. Quand on parlait, effectivement, on en parlait à table tout à l'heure, on parlait effectivement qu'on était autonome, on n'achète pas d'engrais, pas de phytosanitaire. Et un système comme ça, effectivement, en termes de fuel aussi, c'est pas négligeable. Comme je t'ai dit l'autre jour. Nous, chez nous, on pensait être à 65 litres d'hectare. 60 litres d'hectare, c'est ça. Je à finir, parce qu'il y a eu des travaux, il y a eu tout un tas de... Il faut qu'on affine, mais globalement, en plus, on serait plutôt au-dessus qu'en dessous de l'estimation. Donc, Et donc, c'est vrai que c'est... C'est lié au système pâturant. On a prairie, du coup, prairie plus temporaire, plus classique, avec des démarrages précoces au printemps. Et on a des prairies d'été, c'est les luzernières. Et on arrive à faire des relais comme ça qui font qu'on affourage moins. Des couverts d'interculture qu'on essaie de travailler. C'est un ensemble de choses et aussi le système de culture du fait de la rotation avec beaucoup de polyculture, de beaucoup d'élevage, beaucoup de pâturage. Le déchaumeur n'a pas travaillé cette année, sauf pour faire les croisements de charrues. On déchaume plus. Il y a plein de collègues que ça perturbe, mais par contre le travers, c'est que nous, moi j'étais très branché à agriculture de conservation. Moi, je fais de la, je vais pas le dire, ça va choquer. Je pars du posteriori. On a la charrue parce qu'on n'a pas la chimie. Donc l'idée c'est je laboure, donc j'essaie de laisser le sol tranquille le plus longtemps possible et qu'il ne soit pas à nu. Parce qu'on a des collègues en bio où le problème c'est que pour détruire des luzernes, il y en a qui commencent à déchaumer au mois d'août, voire plus tôt, pour semer au mois de novembre. Moi ça me perturbe au niveau minéralisation, tout ça. Voilà. Il n'y a pas de système parfait, hein, ils font ce qu'ils peuvent. Donc nous on surpâture, on laboure, on sème, on sort les bœufs de la veille du semis ou voire devant. C'est le système qu'on a trouvé en espérant que ce soit moins néfaste ou en tout cas l'optimum chez nous. Ce qui fait qu'on travaille peu les sols, très peu les sols en dehors du labour, avec des rotations, avec beaucoup de prairies, donc beaucoup de pauses pour restructurer. Je ne ferais pas ça si j'étais en système serrier. On ne serait peut-être pas en bio d'ailleurs techniquement, ça me perturberait un peu trop par rapport à ce côté travail du sol.
Ce qui fait que du coup, effectivement, on consomme très peu de fuel, même pour l'itinéraire technique, parce que même si un labour consomme beaucoup, bah, en fait, en faisant cette technique-là, on consomme moins qu'avant, où on déchaumait. Parce qu'une luzerne, déchaumer une luzerne, en plus, c'est des sock scalpers, parce que forcément, il n'y a pas de chimie, donc il faut bien couper les collets. Bon, bah, ça tête pas mal le tracteur. On consommait au moins autant que la charrue avec nos deux, trois passages. Puis ce que je disais tout à l'heure à certains aussi, c'est qu'on a 20 vaches allaitantes, 20, 22 vaches, plus les brebis. C'est des animaux qui sont complémentaires sur le pâturage. Et même moi qui ai beaucoup de vaches laitières, j'étais surpris de voir des brebis, quand on parle de la luzerne, des brebis qui mangent de la luzerne fleurie et qui produisent du lait derrière en plus. Parce qu'en fait, les vaches laitières, moi je faisais avant, mais bon, elles font la tête. Hein. Et les brebis, elles adorent ça en fait, elles ont besoin de fibres. Alors ce qui est intéressant aussi avec elles, c'est qu'en fait, elle va laisser la tige, elle prend juste le concentré, les feuilles, etc. Il y a le chicot qui reste, mais ce n'est pas très grave, ça reste au sol. Et puis, capacité à trier qui ne casse pas la lactation. Ouais, ouais. Alors, on n'a pas des brebis à 400, 500 litres, comme les systèmes intensifs de Roquefort qui correspondent à nos Holstein à 10, 12 000. Là. Mais oui, elles ont cette capacité à trier qui peut être un problème aussi des fois, quand on veut rationner ou quand on veut pas avoir de problème alimentaire. Mais elles ont cette capacité à sélectionner. Elles vont manger la tige si on les force. Elles sont capables de manger juste la feuille et du coup les lactations se maintiennent à la luzerne. Quoi. En fait, on la surpâture pas vraiment la luzerne. Déjà, en plus, elle est piétinée dans le sec. Globalement, comme c'est des sols assez drainants par rapport à ça, la luzerne elle aime pas beaucoup. Elle est très fragile dans des moments d'humidité. Même si on le fait au mois de novembre, mais on a réussi parce qu'on a des sols drainants. Et au niveau surpâturage, c'est le jeu d'anticiper. Quoi. Si des fois, même, il y en a qui. Je pense qu'il y a des collègues qui pensent qu'on gaspille. Mais là, l'enjeu, c'est la luzernière, par rapport à la réponse. Et en fait, la brebis, contrairement à la vache, où on a tendance à, je trouve, surpâturer parce qu'on veut qu'elle finisse, sur de la luzerne, comme elle trie, visuellement, de loin, on a l'impression qu'il y a assez des chaumes. Sauf qu'elles ont mangé les feuilles. Donc nous, l'objectif, elles ont mangé la feuille, elles ont mangé un peu de tige tendre. Elles ont laissé souvent, j'ai pas mesuré, mais elles laissent un peu de tige de luzerne, mais de toute façon, c'est plus visuel, je pense, qu'autre chose en volume. Vu le temps qu'elles y passent, c'est que c'est de toute façon plus visuel et on a l'impression qu'elles ont gaspillé alors que non. Et je pense que c'est quand on va plus loin que ça qu'on finit par abîmer. Et encore que des luzernes un peu bien implantées, en fait, elles encaissent pas mal dans le. Quand il fait sec, quand il n'y a pas en plus de l'humidité, du piétinement des bourgeons au pied. Alors, je ne suis pas technicien, mais a priori, elles ne nous ont pas fait de blague jusqu'alors. Non, puis en fait, la luzerne fleurit plusieurs fois dans l'année. On dit souvent qu'il faut qu'une luzerne fleurisse au moins une fois dans l'année. Mais avec un système comme ça, comme la brebis ne vient pas durer au bout de souvent 6 semaines, la luzerne déjà est en train de refleurir. Ce qui fait qu'elle fleurit chez nous, comme cette année, elle a dû fleurir au moins 2 fois, peut-être même 3 fois, en fait, hein, si tu veux. Donc, oui, c'est des fois ça qui va aider. Et en même temps, une luzerne, nous, comme notre système de rotation, 3 ans, on va pas. Enfin, peut-être qu'Hugo voudrait essayer peut-être d'en faire durer, mais ça va être 3 ans, puis après elle dégage parce qu'elle sert à faire du blé, enfin un truc derrière, quoi, en fait. Hein. Donc nous, sur la ferme, je vais reprendre le global. Sur la ferme, on a en moyenne 70 UGB, saisonnier parce qu'il y a des agneaux de printemps, enfin plutôt de début d'année. Donc, mais en même temps, ça correspond à la pousse de l'herbe, donc je pense qu'il n'y a pas ce facteur-là par rapport au chargement. En début de printemps, on va considérer qu'on est à 3 UGB hectare. Chez nous, les premiers, deuxième tours. Tu m'arrêtes, tu dis une bêtise. Et petit à petit, on réduit. Mais alors, on raisonne. En fait, je dirais même qu'on ne raisonne pas vraiment comme ça. Moi, je raisonne comme ça pour déterminer la surface. Donc, c'est dire, de plus en plus, on part vers un système avec moitié de prairie temporaire, moitié de luzerne. Et je veux que la surface de prairie temporaire corresponde aux besoins de printemps. Après, je considère que la prairie, elle n'est pas capable de. Même l'orage, elle fera un peu, mais ça ne suffit pas. Donc, je veux que la luzernière prenne le relais. Donc, on va. Plutôt que de parler de chargement, on s'adapte en permanence à la ressource. Parce que la luzerne, même si c'est une championne, en fonction des années, elle ne fait pas des miracles. Donc, on va plutôt. Ce qui se passe, c'est qu'on sacrifie des lots. C'est l'intérêt d'avoir des angus qui doivent souffrir, c'est même pas qu'ils acceptent, c'est qu'ils doivent souffrir parce qu'ils sont trop gras tout le temps, on les engraisse trop vite, et là, les bœufs, il y a 2 ans, les voisins ils nous appelaient parce qu'ils croyaient que les bœufs étaient dans le chaume. Et ils étaient vraiment dans le chaume avec un râtelier, parce que du coup, pour pas abîmer des prairies ou des luzernières, ils passent à côté, et c'est toujours les animaux
avec le plus gros besoin qui récupère la luzerne. Donc cette année, tout le monde a pâturé de tout parce qu'il y avait de la bouffe à gogo parce qu'on a pris le déluge. On a pris un quart de la pluviométrie sur l'été, en un mois et demi, ce qui n'arrive jamais, mais bon, c'était très bien. Donc voilà, on raisonne plus comme ça. Alors je sais pas si ça suffit comme réponse. Non, mais est-ce que c'est du pâturage tournant thermique du coup, tu t'approches de ça ou... J'aime pas le... Je suis parti. Alors il y a toutes les écoles. En fait, on est entre un jour et quatre jours. C'est plus que en pleine saison. Jours, en fait. Ouais, c'est plus de l'exceptionnel. Et on cumule à la fois un système paddock plutôt au printemps sur les prairies et un système fil avant sur la luzerne. Fil avant, fil arrière. Parce que là, on s'adapte à la ressource. Et des fois, une luzerne de 8 semaines, elle n'a pas le même volume qu'une luzerne de 5 semaines. Des fois, on rentre à 5 semaines, c'est limite, limite, mais les brebis, elles acceptent en météorisation parce qu'elles en mangent depuis des siècles chez nous. Et enfin, je pense que c'est ça, je ne sais pas trop. Mais donc, voilà, effectivement, ce n'est pas du tout le même volume. Et c'est beaucoup Mégane qui va s'occuper de ça. C'est aussi au niveau du gaspillage. Une luzerne de 8 semaines, si on ouvre pour 2 jours, tout est couché et... Même en une luzerne semaine, fois, déjà, ouais. C'est plus du concentré, tri moins. Luzerne, c'est déjà arrivé qu'on change même 2 fois par jour. Le problème, c'est que c'est la brebis, c'est des fils bas. Dès qu'on met un fil, il faut couper la luzerne pour ne pas avoir trop de pertes, sinon elle se barre n'importe où. Donc c'est plus le compromis, effectivement. Le fil au jour, à chaque fois, il faut que tu fasses sous ton fil. C'est mieux, parce que les brebis... Donc c'est pour ça qu'on a. Et puis pour c'est ça que les brebis au printemps qui sont fauchées aussi. Ouais. Donc on démonte l'entre-deux parce que la faucheuse c'est ingérable. Si. Ce qui fait que là sur les brebis par exemple, on a décidé de faire des paddocks fixes dans le but effectivement au printemps le troupeau normalement il devrait jamais être plus de 2 jours au même endroit et puis en été il va passer peut-être même pas la journée quoi en fait. Mais c'est plus parce que c'est plus simple à gérer en fait. Là, c'est plus le temps de travail en prairie, effectivement. Parce que la surface de prairie, il y a très peu de chances qu'il y ait beaucoup de débrayage pour la fauche. Et en fait, comme on est équipé, on peut faucher 3 hectares en 3 paddocks, ça ne me dérange pas. Par contre, faucher 25 hectares de luzerne avec les paddocks tous les ans, c'est casse-pied. C'est pas possible en temps de travail, on n'arrive pas à finir. Faudrait même avec une fauche, faudrait avoir un machin surdimensionné, ce serait pas logique, quoi. Non, sinon, pour répondre autrement sur le chargement, si on prend l'ensemble des troupeaux, du troupeau bovin, brebis, ramené aux UGB, donc c'est vraiment c'est très. On a à peu près 1,3, peut-être un peu plus. Quoi, moi, si je pense qu'on risque d'arriver à 1,4. À peu près ici, peut-être même un peu plus. Mais on manque de recul, c'est un système qui est en place depuis 3 ans, avec des aléas climatiques qu'on a connus depuis 2 ans qui sont exceptionnels dans un sens ou dans un autre. Hein. Donc, ça, on manque de recul. Sachant qu'effectivement, les systèmes bio comme ça, normalement, on dit qu'il faut partir sur un chargement d'1,1 à 1,2, en fait. Mais comme on a prévu temporaire qui produisent plus, qu'on relance, etc., ça nous permet de gagner. Quoi. Donc, moi, je pense qu'on risque d'arriver à 1,3, voire 1,4 UGB hectare. Parce qu'en fait, on a fait 1,2 au début, et puis on a un an de stock d'avance de nourriture. Depuis 2 ans, et on réduit, on n'arrive pas à baisser. Mais c'était le problème aussi d'augmentation du troupeau avec l'installation. Enfin, il y a eu tout un... Manque de référence. Parce qu'on a voulu sécuriser tout l'intérêt des projets comme ça, manque de référence. Ici, là, ça donne une vue d'ensemble, effectivement, du paysage ici. L'eau des maisons là-bas, ici, elle est susceptible de passer chez nous par le bout du champ. Toutes les maisons là-bas, les fermes qui sont là-bas, et puis plus loin là-bas, l'eau est susceptible aussi de passer ici à un moment ou à un autre. Ici, on peut avoir un torrent d'eau, là, juste en bas, on peut avoir un torrent d'eau. Donc, à mi-botte, on peut avoir... C'est surprenant, mais même ici, on peut avoir des torrents d'eau. Donc, voilà. Donc, à l'origine, quand j'avais réfléchi effectivement à ça, et quand j'avais discuté d'ailleurs avec Yann, mon technicien, c'était bloquer les entrées. Comme moi, j'ai un plan, effectivement, des entrées d'eau un petit peu partout, des courbes de niveau. Il m'avait dit, tiens, ce qui peut être intéressant chez toi, il faut réfléchir, on met des bosquets dans toutes les entrées d'eau qu'il y a sur la ferme, donc là, etc. Et puis tout doucement, on a changé de projet, etc. Puis on est arrivé à ce type de projet comme ça. Donc là, vous voyez bien, donc les parcelles ici, c'est à peu près dans un axe nord-sud, tout en étant parallèle à la route, parce qu'on tient compte évidemment du contexte ici. Cette année, vous voyez à droite ce que je vous disais tout à l'heure, à droite c'est du blé. Là, ici, c'était une dérobée, c'était de la chicorée que les animaux ont pâturée. Ça va redevenir un blé de printemps.
Derrière, je ne sais plus trop où, il y aura de nouveau de la prairie, je ne sais plus trop où, Hugo pourrait vous le dire, enfin, etc. C'est en train de changer, bon, voilà. Et tout là-bas, à gauche, c'est que des prairies, quoi, effectivement. Mais dans l'année prochaine, il y aura du blé qui va être semé là. Donc ça, c'est important dans le système bio, c'est que c'est intéressant de le mettre dans les rotations. Et même quand on parle un petit peu d'économie, le blé bio, même s'il est en train de se casser la figure dans les prix comme plein de choses, c'est pas inintéressant aussi d'un point de vue valeur économique. Donc un blé bio, c'est bien vendu. Nous, on met rien quand on fait derrière une prairie. On sème le blé mi-novembre et on attend le mois de juillet pour récolter. On fait rien d'autre. Hein. Et on va faire à peu près une quarantaine de quintaux en fait, hein, en bio là-dessus. Hein. Et donc ce qui est intéressant aussi d'avoir des céréales dans une rotation comme ça, c'est que la céréale va profiter de la prairie, mais c'est aussi une coupure pour pouvoir ressemer des prairies avec des légumineuses. On sème que des prairies à fleurs complexes aussi, hein, en fait. Différents types de graminées, on a du plantain dedans aussi, on met des légumineuses. Et donc effectivement, le blé va nous permettre effectivement de faire une coupure pour pouvoir ressemer une nouvelle prairie temporaire dedans. Donc, puis on fait des blés à bonne marge parce qu'on a une rotation de prairie. Parce que c'est des blés à 40 quintaux, mais avec des bonnes protéines en moyenne. Là, c'est l'année dernière, on est à 13,5, 14. L'année dernière, c'est une année exceptionnelle aussi. Cette année, je veux dire. Ouais, mais alors on a des variétés. En fait, je choisis que des variétés mixtes. Ouais. Et là, j'ai remis des variétés plutôt à protéines parce qu'ici, on sera toujours limité par le facteur eau. Donc globalement, et l'azote, on n'est pas limité nous chez nous dans nos rotations. Donc on sait qu'on plafonnera toujours à 35-40 quintaux. Il y en a qui font des blés fourragés qui vont monter à 50-60 quintaux, sauf qu'il est payé moins cher que du tritical, donc autant, ou aussi cher, donc autant faire du tritical à ce prix. Voilà. Et par contre, nous, on sait qu'on arrivera toujours à faire de protéines sans fertilisation. Globalement, je dis pas en fonction des années, mais si nous, on n'est pas dans les normes, c'est que voilà. Je ne dis pas qu'on y sera toujours, ça se trouve des fois on y sera juste en dessous, etc. Mais pour l'instant le mélange il sort bien. Et parce que c'est des blés de prairie. Hein. Ouais. Des blés de prairie, généralement en plus je disais on déchaume plus, donc c'est surpâturé pour détruire avant le labour. En fait c'est ça, on déchaume plus mais on a nos déchaumeurs à quatre pattes. Et après on laboure, donc il y a quand même une fertilisation en plus des animaux, il y a les résidus de prairie, enfin. Il y a la matière organique qui joue parce que on est sur des. Tu fais qu'un labour après. Tu repasses après un. Puis l'air sont actifs. Labour et semis, combiné classique. Le combiné c'est plus pour niveler, c'est parce que quand on sème des prairies, c'est pour avoir un truc qui tient la route pour. Parce qu'on fait aussi beaucoup de sursemis direct dans les céréales, pour pas retravailler pour ressemer des prairies ou des luzernes. Et du coup, malheureusement, pour limiter le plus le travail du sol et le temps, la herse rotative, elle reste quand même. Alors après, on a une nouvelle charrue qu'on pourrait remonter, qu'on pourrait travailler en. Je ne vais pas l'appeler agronomique, parce que, en principe, ça reste quand même un travail du sol, mais qu'on pourrait travailler plus. Moins profond. Et du coup, comme c'est une charrue qui travaille quand même très bien par rapport à celle qu'on avait avant, la herse, on la met à 5 cm. En fait, on travaille que la profondeur de semis. Théoriquement. Hein. Et en plus, du coup, il y a moins de levée de mauvaises herbes. C'est très théorique, mais pour l'instant, ça fait 2 ans, ça marche très bien. Donc, c'est pareil, la herse, c'est pas des herses avec des chevaux devant et qu'on met à fond, qu'on terre. Voilà. On essaie. J'insiste parce que j'insiste là-dessus, parce que j'étais très branché sur le Rotavator pour essayer de faire du sans labour en bio. Et j'arriverai pas à passer le pas parce que quand je vois la poudre que ça fait derrière, je me dis c'est psychologiquement ça passe pas. Alors que quand on laboure en direct, et derrière on arrive quand même à maintenir, on a une structure qui se tient. Parce qu'on n'a pas travaillé avant aussi. Hein. Parce que je vois les collègues bio qui ont déchaumé, etc., même des déchaumages assez superficiels, ils ont quand même des structures qui sont pas du tout les mêmes. Quoi. On le voit d'ailleurs quand on sème des couverts derrière, on voit que ça porte, quoi, même quand on se prend des orages. Ou en hiver, ça se ressuit toujours plus vite chez nous. Voilà. C'est sûrement lié aussi au taux de matière organique. Enfin, c'est sûr d'ailleurs. Voilà. Je sais plus où je. Est-ce que les bandes enherbées ont un impact sur le salissement? Sur le salissement. Moi, je fais partie de ceux qui croient que plus tu désherbes le bord, plus tu amènes des saloperies qui sont faites. Des annuelles, qui sont faites pour aller dans ton champ. Alors que quand tu es des régras et des fétuques.
tu les dégommes assez facilement par le travail du sol. Ou, enfin, on a encore une charrue, quoi, en fait. C'est rédhibitoire, la charrue. Autant la luzerne, je n'irai pas le même discours sur de la luzerne. Mais du coup, je ne crois pas au salissement par les bords. Par contre, ce que je crois, c'est plus des difficultés de travail, comme des bordures de champs. Et je pense qu'on crée plus de salissement à cause de ça que vraiment la bande enherbée en elle-même. Par contre, il faut lui foutre la paix, quoi. Dès que tu la crames, enfin, on n'a plus d'herbicide, mais ou un coup de scalpage trop près. Je pense que c'est dès qu'on déstructure cette bande enherbée qui s'est mise en place depuis plusieurs années. C'est pas dès la première année, parce que la première année, on avait beaucoup de chardons. On a raté notre bande enherbée et là, ça n'a pas marché. Après, si on lui fout la paix, par contre, peut-être plus des plus annuels, c'est peut-être du buissonnant qui va arriver, de la ronce, peut-être plus ça. Mais ça, la ronce, elle ne va pas accepter la culture. Par contre, elle va nous embêter dans les clôtures. C'est plus ça. Non, et puis par contre, c'est vrai que si on a pollution, effectivement, nous, ça va surtout être des graminées. Donc là, c'est clair qu'effectivement, si tu regardes là, il va y avoir une concurrence dans le blé en bordure sur 1 mètre ou 2. Il y aura une petite. Mais ça ne gagne pas la parcelle, c'est-à-dire que c'est ouais. ponctuel pour cette année et puis point à la ligne. Et on a une rotation qui n'est ouais. pas du tout sensible aux adventices de tous nos collègues céréaliers. Vu le pain et gras, on ne connaît pas. Ceux qui relèvent, c'est ceux qui des croisements de labour. Et non, je caricature, mais c'est vraiment pas une problématique chez nous. On a une problématique coquelicot, mais ça, labour sans labour, enfin, coquelicot, il est là, il sera là toujours. Donc je crois vraiment pas à ces problématiques-là, en tout cas chez nous. Non, puis ce qu'il faut dire aussi, surtout ici, les premières années, moi je suis quand même passé au rotophile, c'est-à-dire que moi le chardon était interdit, il y a aussi des rumex aussi, tout ça c'était interdit sur mes lignes d'arbres. C'est-à-dire que moi manuellement je suis passé partout, tous les ans je passais, enfin même il y en a deux fois dans l'année, et tout chardon que je voyais, je dégommais. Parce que tu avais raté la bande enherbée. Et il reste, oui, parce que j'avais raté ma bande enherbée au semis. Et ça, effectivement, je pense qu'il y a une rigueur malgré tout. Autant les herbes, on ne veut pas les couper, il faut qu'elles restent là, c'est la biodiversité, etc. Autant des plantes qui peuvent être envahissantes dans un champ, comme le chardon, entre autres. Moi, je ne fais pas de cadeaux. Là. Je suis désolé, j'en veux pas. Bon, les rumex, c'est plus local, mais même. Et les chardons, donc là, tu vois, cette parcelle-là, elle a 8 ans, en dehors d'un rang ou deux, parce que j'ai mal géré, il n'y a pratiquement plus de chardons. Ah, c'est pas pour autant que. Non. Ben, en fait, c'est beaucoup de bases de fétuc. Et une fois, c'est fait comme dans les prairies. Hein. Là, de l'autre côté, il n'y a que du plantain. La fétuque, on ne la voit pas une fois qu'elle arrive. Mais par contre, c'est dès qu'on fait un trou, dès qu'on a laissé un râtelier toujours à la même place que ça a été bousillé, bah, c'est là qu'arrivent toutes les rumex. C'est aussi des plantes qui sont liées au tassement. C'est même vachement intéressant quand tu parles des rumex. C'est-à-dire que, dans cette terme-là, on peut avoir des rumex partout. Et je sais, tiens, on a une parcelle ici. Piétinement au printemps par les brebis, aussitôt après, il y a plein de rumex, alors que juste à côté, il n'y en a pas. Donc, effectivement, on peut régler les rumex par la gestion du pâturage. C'est une erreur de gestion, c'est-à-dire qu'en fait, il a plu beaucoup, piétinement, il y a peut-être plus d'herbe à ce moment-là, on laisse les brebis, c'est foutu, on a des rumex. Et c'est plus, effectivement, un problème de gestion. Et moi, ici, je le dis bien, alors ailleurs, j'en sais rien, je pense que toutes ces plantes-là, on peut les gérer, c'est pas toujours simple, mais par la gestion du pâturage, par de la rigueur. Mais c'est pas. D'ailleurs, moi je dis, les rumex, ça ne plus dans les semences. Avant, il y en avait dans les semences. Il y a trop de gens qui disent ouais, j'ai encore semé ça avec les semences. Non, moi je pense que c'est des pratiques agricoles qui font que ça arrive et que ça arrive à tout le monde, hein, d'ailleurs, nous les premiers. Hein, mais bon. Quand vous voyez la qualité des arbres, c'est du terrain très hétérogène. On voit. Donc, l'hétérogénéité des arbres, c'est lié aux espèces utilisées, aux variations intrinsèques à chaque espèce. Et puis après, il y a le terrain aussi. C'est très hétérogène. Ici, c'est plus profond. Il y a du passage argileux, cailloux, etc. Et bon, les premières lignes, en plus, c'est pommier, poirier sauvage, donc c'est très, très bas. Nous, ce qui se comporte le mieux ici, le robinier, il est très agressif, il décolle bien. Il y a les merisiers qui se comportent bien, aussi, enfin, qui sont très hauts aussi. On en voit là-bas, le long de la route, plus loin là-bas, les merisiers. C'est les premières parcelles plantées et de l'autre côté, c'est le projet de 28 hectares. Les 28 hectares, la parcelle a fait tout le tour du bois en fait. Et là, voilà. C'est planté à quel stade à peu près, en racine nue, en alors, quoi? Tu peux nous en dire un peu plus? Cela, il y a eu les deux, hein, racine nue ou godet, ouais. Une année, enfin très jeune. Hein. D'accord, ouais. Alors, on travaille avec, on va les citer parce que nous, on est contents d'eux quand même. On travaille avec les pépinières Le Meunier, dans l'Orne. Dans l'Orne en fait. Hein.
Et en plus, ces deux dernières années, on est archi content. On a des plants qui sont super beaux et tout. Alors, on a l'impression, quand on discute avec d'autres, je pense qu'ils font un effort pour les agroforestiers par rapport aux forestiers tours. Ils savent que nous, si on plante un arbre, il faut qu'il soit vivant. Et on a l'impression que les arbres, enfin depuis deux ans, enfin, ils sont très beaux. Quasiment pas ils sont très beaux. Il n'y en a pas de mauvais. Quoi, en fait, il y en a. Donc c'est. Il n'y en a pas de mauvais, même de base. Ils sont bien formés. Ouais. C'est surtout du godet qu'on a eu cette année aussi, mais ça dépend. Godet, nous on aime bien le godet en fait. Des godets, mais c'est pour les bénévoles qu'on a. C'est beaucoup de copains, etc. qui viennent. Le godet, il est moins fragile. Si on le laisse traîner au soleil deux heures parce qu'on est parti au barbecue, je dis ça en rigolant, je caricature. Et c'est surtout que c'est plus simple. Parce que c'est vrai que le racine nu, la première fois qu'on a racine nu dans les mains, on se dit comment je fais. En plus, des fois, faut un peu le tailler. Donc pour les gens, c'est plus simple. Ils ont un petit coup de terrière. Le godet, on le dit, c'est la profondeur du godet. On trouve ça, c'est un peu plus cher, mais. C'est des godets un peu adaptés. Non, c'est des. Il y a un certain nombre, ils arrivent directement. Je pense qu'ils ont des. Ils coupent direct et il n'y a même pas de peau. Ils mettent en cagette, c'est la taille d'une cagette, il y a 40 plants en fonction des essences. Il y a juste les ormes hybrides où c'est un godet parce qu'il est taillé en carré, quoi. Ou peut-être qu'ils ont, eux, quand ils arrachent, je sais pas, ils ont peut-être des godets réutilisables, je sais pas. Ouais, ou des plaques, voilà. Et il y a que les ormes hybrides qui sont en godet, mais je pense que c'est parce que les ormes hybrides, soit c'est parce qu'ils le font pas eux-mêmes, ou c'est parce qu'ils sont plus gros, ou je sais pas pourquoi il y a. Et puis ce qu'il y avait aussi, c'était le noyer, entre autres, un arbre à pivot, il y avait des godets plus longs, je sais pas cette année c'était le cas. Moi, j'ai eu des fois des godets plus longs. C'est peut-être lié aussi à la racine, au pivot, effectivement. En fait. Ouais, Et donc, c'est pas forcément du godet, c'est extrait. Ce que j'appelle godet, moi, c'est y a la motte, quoi. T'as la motte, c'est bien coupé. Ceux-là, ils ont 8 ans, ils rentrent dans la 8e année et là-bas, 9 ans. Ouais. Et pour répondre à. Enfin, il n'y aura pas de réponse à ta question, mais là, cette année, on a mis en place avec la région, on a une aide de la région. On a planté des arbres, ouais, on s'approchait, ouais. On a planté des arbres qui sont plus grands en fait, plus âgés. D'accord. Et connaître leur réponse, savoir, parce qu'en fait le problème, c'est que nous on veut que le système racinaire s'installe rapidement. Quand tu plantes un arbre très grand qui fait 2 mètres de haut, ça reste un godet, donc pas de racines développées. Savoir si le système racinaire va suffisamment bien se développer, qui va résister au vent parce qu'il est tout seul. Enfin, comment il va réagir par rapport à ça. Donc là, on a mis en place effectivement des arbres de plus grands. Et puis savoir si c'est intéressant en termes de coût, parce que évidemment, c'est pas le même prix, évidemment. Hein. Là, aujourd'hui, on tourne les essences qu'on a plantées cette année, ça tourne, je crois, entre 3 euros et 9 euros quelque chose, quoi. Suivant les. Je crois qu'on arrive combien ces arbres à Yann, là, pour loin de 50 balles. Hein. Oui, c'est entre 35 et 50 balles. C'est une demande aussi des organismes publics pour savoir par rapport au réchauffement climatique, comme il va falloir réagir en urgence et que personne veut réagir en urgence, personne veut réagir et qu'on risque d'être obligé de réagir en urgence, c'était de savoir si en plantant des arbres plus vieux, ils iraient plus vite. Est-ce qu'on peut gagner ? Non, mais c'est ce qui est dit. Non, mais alors, pour aller plus loin aussi, ce que c'est aussi pour avancer plus loin, c'est qu'en fait, derrière, on va avoir aussi des relevés de production de la prairie à côté des arbres. Donc, essayer de connaître aussi l'influence. Pour voir aussi comment le système racinaire se développe et est-ce qu'il est plus concurrentiel sur un gros, parce que ce qui va être feignant, parce qu'il doit refaire du racinaire. C'est pour effectivement, Mais non, mais on le sait, nous, le discours qu'on a, effectivement, nous, avec Yann et tout, le discours qu'on a, faut plus l'arbre est jeune, mieux c'est. Ça, c'est le discours qu'on a tout le temps, non, mais on l'a tout le temps, mais en même temps, donc. C'est ce qu'ils préconisent. En même temps, comme la région était d'accord, nous, on travaille pas mal avec la région, le département, et donc on tient à les garder comme partenaires, donc. Oui, parce que nos techniciens, donc, il a déjà la réponse, mais c'est encore une preuve pour dire aux gens, c'est aussi des fois une façon de rappeler, encore une fois, de dire, une fois de plus, va falloir peut-être. Travailler avant d'être dans l'urgence, c'est peut-être aussi. C'est comme les paillages, on a fait un essai effectivement sur le paillage. On a fait différents essais de paillage. Effectivement, maintenant on dit aux gens, mais arrêtez d'acheter du plastique, tous ces trucs-là, c'est pas la peine. Vous avez sur une ferme, vous avez de la paille, et mettez de la paille, point à la ligne. On a même une pailleuse en plus, nous on est fainéants. Donc on va avancer. Au début, c'était pas aussi complexe. Bon, il y a les brebis. Hein. Oui. Il faut enlever des fils s'il n'y avait que des bovins laitants. Et on trouve que c'est dans la durée, on a eu des problèmes. On a eu des problèmes quand on a commencé à passer en vache à viande. Ouais. Pas forcément les vieux animaux qui sont plus calmes, mais les jeunes qui se bousculent un peu. Et en fait, c'est une tranquillité.
Et là aussi, c'est vrai que c'est lourd. Par contre, nous, on réfléchit à faire... comme nous, au printemps, c'est le plus gros boulot de la fromagerie, un des plus gros boulots de vente, même si la vente, c'est plus lisse. La fauche, on peut faire un mois de tracteur juste pour faucher, presser, tout ça, parce qu'on a fait que de l'herbe, donc on s'y tire une balle. On est tout passé pour simplifier comme on a beaucoup de petits lots, on est tout équipé en presse et en rubaneuse. Ouais, avec un collègue. Je précise parce que. et du coup, pour simplifier, ça simplifie aussi les chantiers. C'est des chantiers qui se gèrent plus tout seul. Ça ne veut pas dire que c'est moins long, mais parce qu'avant on faisait à l'autochargeuse en ensilage. Et ça permet de faire des boules aussi plus sèches techniquement. C'est pour le. Non, pour ça, les brebis. Je presse du foin. Mais là c'est pas de problème ici, c'est qu'à certains endroits, quand j'ai fait des lignes. Le fil, je l'avais mis trop près de celui-ci. Donc maintenant, je mets un bout de tuyau systématiquement que zou. On se pose la question, comme on, là, ici, on fait appel besoin, à. On a notre salarié, etc., qui n'a pas quatre bras, et qui aussi, là, c'était sa première année, donc il apprend. Et peut-être qu'à terme, on aura peut-être du turnover, on n'en sait rien. On aimerait bien qu'il reste, mais il a aussi des projets, parce que comme il n'est pas trop mauvais, c'est souvent ceux qui ont des projets. Donc peut-être qu'un jour, il va se barrer. Donc voilà, on voulait simplifier, reporter la charge d'entretien sur l'hiver. Je pense que par rapport à une clôture mobile, on ne va pas gagner en temps. Par contre, on pourra faire tout l'entretien en hiver et simplifier le boulot, que le boulot soit le plus simple au printemps. Donc l'idée, c'est comme c'est des clôtures assez costauds, là, il y a 80 mètres, et on pourra avoir des séries d'enrouleurs par parcelle, parce que comme on est quasiment toujours sur les mêmes multiples, et de se dire tiens, là c'est ce qu'on fait, on dit tiens Nicolas, hier je sais que pendant 3 jours j'ai fait à peu près avec 2 piquets j'ai fait une journée, tu prends ton enrouleur, tu comptes 2 piquets et il a juste à accrocher les enrouleurs, il n'y a pas de jambes de force, il n'y a rien à mettre, c'est déjà fixe et costaud, c'est ce qu'on fait déjà. On a des clôtures araignées là, les clôtures Gallagher, nous elles sont bricolées, elles sont moins costauds, mais un tuyau, ça marche qu'avec des. Ah non, ça marche qu'avec un seul fil. Ça marche pas avec des boutons. Et mon père, il avait fait des brouettes de chaque côté, comme ça, il n'y a pas besoin de jambes de force, il n'y a pas besoin d'accrocher. Et mine de rien, c'est bête, mais n'importe qui peut le faire. Une fois qu'on l'a montré une fois, on dit Nicolas, tu fais tant de clics, il y a un clic sur la roue. Tu fais tant de clics, et alors c'est sûr, si on ne va pas voir régulièrement pour adapter, faut que la personne ne peut pas forcément s'adapter dès le début. Mais des fois, c'est simple. On dit, même à un stagiaire qui ne connaît rien, on dit, tu fais tant de clics et il avance, il pose. Et on arrive dans ce système-là aussi par rapport à des problématiques de protection, mais aussi de main-d'œuvre, de pic de travail au printemps. Parce qu'en fait, nous, on arrive à un stade où au printemps, de avril, mai, juin, on pourrait être 6 à travailler, on ne serait pas de trop. Et là, en ce moment, il y a des agneaux, mais là, le mois dernier, ça se gère tout seul, la ferme. En plus, le système, on a énormément simplifié le système d'affouragement pour des soucis de fuel, parce que ça m'embête de démarrer des mélangeuses et tout bazar, parce que ça coûte trop cher, une mélangeuse aussi. Et une pailleuse, je trouve même que ça consomme trop déjà, alors c'est un problème, c'est moi aussi le problème. Donc on a simplifié et on pourrait presque nourrir pour la semaine. Là, les bœufs, je les ai nourris vendredi. Je vais les nourrir que mercredi. Donc c'est 2 boules pour Non, je mets 5 boules. 5 boules. 5 boules pour. Et le système en rubanage permet ça, c'est assez facile de libérer du temps dans ces périodes-là, donc pour faire de l'entretien, pour faire autre chose, pour. Reporter ça à des périodes creuses. C'est 3-4 euros du piquet. Là, ça vaut. La bobine, je me souviens plus. C'est du high tensile maintenant. On a voulu essayer le high tensile, on était réticents, on disait qu'on trouvait que c'était de la poudre de perlimpampant et que c'était juste pour moins tendre le fil. En fait, c'est le même prix que le galva. En fait, oui, le high tensile, celui-là est aussi cher que du gros galva. Alors, par contre, si tu conseilles à des gens, fais gaffe au diamètre. Ça, regarde, que ce soit l'enroulement, c'est très dur. Très dur à manœuvrer. Et c'est du 2,4 mm, je crois. Je ne sais plus quoi, 4. Donc, on en a mis un et les autres, ça doit être un 8. Ouais, faudrait un 8, 2 mm en diamètre. Celui-ci, il faut vraiment, si tu le mets, il ne bouge plus jamais. D'accord. Tu le poses, c'est fini, quoi. C'est chiant, même. Non, il faut savoir faire les nœuds. Non, mais même. En fait, l'alliage résiste énormément à beaucoup de souplesse, à la tension. Ouais. Mais dès qu'on le. Il se casse très vite. Ouais. Non, mais ça, moi, aujourd'hui, je ne reviendrai pas. Système cliqué, du câble comme ça, ça coûte cher à l'achat. Je ne sais plus, ça, l'ensemble, 7 euros, je crois. Chose comme ça. Ouais, mais c'est pour 30 ans, c'est le même débat.
Ben, on est arrivé à des, en fait, on est aussi arrivé à des, c'est des raisonnements comptables bêtes. C'est, j'ai un BTS de gestion. 7 euros par rapport à notre salarié qui va mettre une demi-heure à faire son olive, tout le bazar. Bah en fait, il est payé, vu qu'il est payé à l'heure, je caricature, parce qu'en plus, si encore il avait du temps, mais si nous, il nous libère du temps, Nicolas, et bah, c'est des produits qu'on arrive à faire en plus en direct, et du coup, c'est. Faut pas raisonner comme ça surtout, parce qu'après, on achète un tracteur. Et puis, quand t'as de la main-d'œuvre, même nous, l'objectif, c'est d'avoir quelqu'un qui ne soit pas obligé de faire des nœuds dans des fils. Parce qu'il fait son nœud qui est mal fait, t'arrives dedans, t'as un quart d'heure, t'as pas pris la pince, t'as rien. Et c'est effectivement. Ouais, et puis la réforme de la PAC actuelle, ce qui fait que cette année, il vient de planter une haie ici, mitoyenne. 2 km. Plus là-bas le chemin vert, il vient de planter 2 km de haie. Hein? Et là, c'est vraiment un effet de voisinage. C'est vrai qu'il était ouvert à ça, il se pose des questions. Mais en même temps, il a planté 2 km de haie. Et nous, on est vachement contents de ça. Et ça, c'est vraiment l'effet voisinage. Il était ouvert, je pense qu'il était ouvert, mais il fallait vraiment qu'il y ait le voisin qui lui démontre que voilà. Et puis je pense qu'en même temps, il a vu comment on fonctionne. Je pense qu'effectivement, alors c'est aussi la PAC qui l'a aidé, parce qu'effectivement, comme on doit avoir, je ne sais plus, 5% enfin, de zone, etc., etc., lui, là, il s'est dit, bah, moi, je vais planter des arbres pour toucher, pour avoir cette aide-là. Hein. Mais bon, c'est pas grave. D'autant plus que lui, il a la philosophie derrière. Quoi. Et puis, ce qui est vachement sympa de sa part, c'est qu'ici, comme il sait qu'on a des animaux, il a planté les mêmes essences que nous. Comme ça, la moitié de la haie, c'est pour nous. Enfin, c'est pour nous, entre guillemets. Enfin, c'est... Non, moi, je suis vachement content. Et ça sera beau plus tard. Il faut imaginer, c'est pour ça que j'aime bien d'être là-bas. Il faut imaginer que tout ça, bientôt, on ne verra plus les bâtiments là-bas. Et puis, ce qu'a pas dit Hugo. Et ce qu'a pas dit aussi Hugo, parce que nous, on commence à réfléchir à ça, enfin, je ne sais pas si vous l'avez constaté, je n'ai pas de données statistiques, c'est qu'on a beaucoup de vents d'est au printemps et en été qui sont desséchants. Et moi, j'ai tendance à dire qu'en fait, entre guillemets, quelque part, on se fout des vents d'ouest, ils amènent de la pluie, c'est plus agréable, mais je pense qu'il va falloir qu'on se méfie beaucoup plus des vents d'est qui nous foutent des cultures en l'air au printemps, en été, là, cette année, c'est pareil. Et donc, ces arbres, c'est pas grave, c'est la même ligne, mais ils nous serviront à nous protéger aussi de l'autre côté, quoi. Et puis c'est là où, quand on parlait de la haie, qu'il fallait surtout favoriser la haie, moi je pense que le système ombrifère de l'agroforesterie, que des arbres isolés, c'est intéressant pour avoir de l'ombre, mais laisser l'air circuler, parce que l'été il fait chaud, et un petit peu d'air pour les animaux, et ben, c'est vachement intéressant aussi. Donc il ne faut pas non plus bloquer tout. Quoi. Non, on est assez content de ce qu'on a fait, voilà.